Il y a de cela 20 ans que Thierry Barbier, de nationalité française, a traversé le Tchad à moto. Il arrive aujourd'hui pour la deuxième fois au Tchad après avoir visité 99 pays dans le monde. Thierry, passionné et mordu des questions environnementales, voudrait s'imprégner de l'état de dégradation de l'environnement. Selon lui, il faut être un citoyen mondial pour aimer et mieux cerner la lutte contre la dégradation environnementale. Sensibiliser à la beauté pour que les gens se disent « Voilà, on a une planète qui est magnifique et il faut la protéger. Il faut arrêter de faire des pressions tellement importantes qu'on aboutit à détruire l'environnement qui nous fait vivre et dont on est partie prenante. » Thierry Barbier a survolé le lac Tchad cette fois-ci en avion et souhaite que des efforts soient davantage conjugués afin de restaurer ce patrimoine planétaire. Le lac Tchad, c'est tellement important pour les pays limitrophes d'avoir cette eau qui permet la vie aux portes du plus grand désert du monde avec le réchauffement. Je pense que pour moi, c'est un projet vraiment à pousser au niveau international. Renflouer l'eau du lac Tchad en détournant l'Oubangui, puisque je crois que toutes les études ont été faites et c'est tout à fait réalisable. Thierry lance un appel à la solidarité planétaire afin de léguer à la génération future une richesse naturelle digne de ce nom. Il déplore en outre la destruction partielle de la forêt amazonienne. L'homme moderne en Amazonie vient défricher des parcelles de centaines, voire de milliers d'hectares. Il coupe tout et la forêt a disparu à tout jamais. Elle ne peut pas reprendre son espace même si on l'abandonnait. La réunion sur le climat à Paris doit impulser une vision nouvelle et globale pour la gestion des intérêts mondiaux environnementaux. Pour finir, le pilote français Thierry Barbier présage qu'il faut être un citoyen mondial et agir avec désintéressement pour le bien-être de la communauté planétaire. Après N'Djamena, Thierry déposera ses valises au Sud-Soudan.